continuer à magnifier les merveilles de l'Éternel. Nous voulons lui dire merci pour ses grâces qui se sont renouvelées dans nos vies tout au courant de cette année 2023 pour ce qu'il est, parce qu'il n'est pas comparable. Alléluia. Nous lui dire merci pour tout cela. Bien-aimé, après ce que personne ne va s'élever et glorifier le Seigneur pour toutes ses merveilles. Et après tous ensemble, nous allons nous mettre debout et nous allons continuer à magnifier son saint nom. Disposons-nous notre personne, notre aide pour exalter notre Dieu. Communauté pour Christ de Ganguin, nous te bénissons parce que tu es le bon berger. Amen. Courant cette année 2023, tu as été pour nous le meilleur berger. Amen. Nous te glorifions, Seigneur, pour ce qui a été notre année 2023. Merci, Seigneur, pour les épreuves diverses qui se sont succédées. Merci, Seigneur, pour les défis. Merci pour les opportunités qui se sont soldées par de grandes victoires. Amen. Toutes choses qui nous ont fait apprécier ta sagesse, par laquelle tu nous as inspiré en début de l'année 2023 le thème de la persévérance en Jésus-Christ
partie d'eux. Nous te bénissons et te glorifions, Seigneur, parce que nous avons vu les fruits de la persévérance. Amen. Merci, Seigneur, pour les victoires diverses, parce que tu en as été l'auteur. Amen. Nous te bénissons et te glorifions parce que tu les as inspirés. Amen. Et dans ta présence, tu as permis que nous nous réjouissions. Amen. Merci également pour les insuccès, Seigneur, parce que ça a été pour nous des occasions d'apprentissage, des moments pour nous de reculer afin de prendre l'élan pour mieux sauter en 2024. Amen. Nous te bénissons et te glorifions, Seigneur, pour la protection particulière que tu nous as accordée en 2023. Amen. Nous te bénissons parce que tu as arraché la vie de nos enfants de la main de l'exterminateur. Amen. Et tu n'as pas permis que les portes du séjour de la mort prévalent contre ton assemblée. Amen. Lorsque l'ennemi le diable s'est levé avec les projets de mort, avec les projets funestes qu'il avait médité contre ton peuple, tu les as confondus, nous faisant ainsi comprendre que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Amen. Nous te bénissons et te glorifions, Seigneur, parce que tu as jeté un regard compatissant vis-à-vis de notre pays, le Cameroun. Amen. Et tu as anéanti les plans de l'ennemi qui sont ourdis pour la déstabilisation de notre nation. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, parce que sereinement, nous avançons courant l'année 2024. Amen. Merci, Seigneur, parce que ta main a été étendue sur nos frères et sœurs au travers du monde, sur la diaspora de la communauté pour Christ de Nyanguer. Nous te bénissons et te bénissons, Seigneur, pour les témoignages qui nous parviennent de ces derniers. Amen. Des témoignages ô combien édifiants. Amen. Nous te glorifions, Seigneur, pour la révélation que tu leur apportes de ta personne. Amen. Cette révélation qui transparaît par la manière dont tu les instrumentalises pour ta cause en tant qu'ouvrier du Seigneur. Amen. Nous te bénissons et te glorifions, Seigneur, pour le monde entier. Amen. Parce que tu nous as montré que tu en es souverain. Amen. Que la gloire te revienne pour tous les événements qui y ont cours. Amen. Parce qu'aucun de ces événements n'est imprévu. Amen. Tout cela nous montre que tu es infiniment sage. Amen. Et que la Bible est en avance sur tous les événements. Amen. Nous te glorifions parce que cela nous enseigne que tu es à la porte. Amen. Tu reviens bientôt chercher ton église. Amen. Nous te glorifions, Seigneur, pour cette espérance qui nous arme dans la marche avec toi. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te glorifions pour tout ce que tu as fait en 2023. Amen. Mais que tu continues encore de faire. Amen. Parce que nous savons qu'il reste quelques heures qui nous séparent de l'année 2024. Amen. Nous te glorifions et te magnifions, Seigneur, parce que nous savons que cette année 2024 qui s'annonce riche en couleurs, ce voudra pour nous une année, Seigneur, de bonté, une année de gloire pour la seule élévation de ton Saint-Nom. Que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu fais, tu continues de faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et je sens nos voix. Aux quatre êtres vivants, aux quatre dans les cieux, aux frères et sœurs, auprès de nous, on va se célébrer ce grand Dieu qui nous a encore réunis ce soir. Alléluia. Sois, Lord,
nourrir toutes choses. Ouvre ta bouche pour cette occasion qui te donne ici ce soir, ce dernier jour de l'an, pour le célébrer. Ouvre ta bouche, bénis le Seigneur, même si c'est ta première fois, regarde ta vie et vois que c'est les merveilles de l'Éternel. C'est sa grâce, c'est tout cela qui t'a accompagné jusqu'à ce jour. Bénis le Seigneur ce soir, bénis-le parce qu'il a menti. Seigneur, reçois la gloire. Reçois les images. Je souvent je te dis, Seigneur mon Dieu et mon roi, c'est toi qui as accompli toutes choses. Reçois la gloire ce soir. Parce que Seigneur mon Dieu, quand nous voyons le temps, Seigneur le Seigneur qui a terre de la pluie, c'est ta main. Les hommes font les prévisions. Mais Seigneur mon Dieu, c'est ton mot, le terrier. Seigneur mon Dieu, tu prends place. Reçois la gloire ce soir. Toi qui nous rassemble en ce lieu. Reçois la gloire, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Reviens des membres de mes familles. Reçois la gloire, Seigneur, pour ta lampe qui est en permanence allumée dans cette communauté, dans nos vies. Pour Seigneur, cette lumière qui est notre sentier. Reçois la gloire, Seigneur. Yeah.
Jésus.